Bonsoir. Alors, comment ça va? Bonsoir. Je m'excuse du retard. Danoï, tu fais quoi sur mon direct? Tu veux quoi? Bonsoir Armel. Bonsoir la reine Adélaïde. Dano, tu veux m'amender? Je vais t'arachider. Je vais te arachider. Attends, je t'arachide. Où sont mes arachides? Tu me donnes les amandes, je te donne les arachides. Ah, les meilleurs arachides du monde. Ça finit, hein? J'ai des gens qui mangent mes arachides, ça jusqu'à. Maïmouna, comment tu vas? Ça, c'est le direct où on mange les arachides. Bonsoir. Bonsoir, c'est Sylvie Ngando. Adélaïde, bonsoir. Il y a des gens qui viennent de Paris, ils prennent les arachides. Vous êtes là. Le ticket de la gloire glorieuse. Mes queens et mes kings. Comment vous allez? Martial Feuillot. Malaika, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jaloux de mes arachides, vous n'avez pas honte. On va prier. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, celui qui restaure, celui qui appelle, celui qui équipe, celui qui nous a créés, celui qui connaît d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Qu'à travers ce direct, tes enfants soient délivrés, qu'ils puissent retrouver leur esprit. J'enlève tout voile spirituel sur vous. Et je commande à tout ralentissement, toute étoile qui vous a été volée, d'être restaurée. Toute chaîne que vous avez sur vos pieds, quel que soit le pays d'où vous regardez ceci, et vous aviez eu l'intention de me contacter, ou encore l'intention de faire quelque chose, une instruction que j'ai donnée, qui devait vous libérer. Je vous libère pour aller faire cela maintenant. Je dépose en vous la paix et l'accélération pour aller le faire. Au nom de Jésus, amen. Le roi Foyeron va fabriquer ta couronne. Vraiment, on doit s'habiller comme des rois et des reines. Si vous êtes marié, mariez votre habit avec votre femme direct. C'est très important de le faire. Il faut se marier entre les rois et la reine. Ça fait de bonnes choses. C'est une force énorme. Quand le roi et la reine s'épousent, se marient entre eux, ça fait vraiment. Ça donne beaucoup de force. Et il faut que les gens prennent conscience. Donc, du coup, il ne faut pas prendre, épouser n'importe quelle femme. C'est qu'en tant que roi et en tant que. Il dit qu'il ne faut pas épouser n'importe quelle femme. Il ne faut pas épouser n'importe quel homme.
vous en tant que reine, épousez un roi. Vous en tant que roi, épousez une bonne femme. Une reine épouse. Et si je rencontre le roi, il ne ressemble pas à un roi. Je fais comment? Il ne ressemble pas à un roi. Oui. Non, mais c'est spirituel. Il faut chercher à savoir s'il est roi ou pas. Fais les prières, Dieu va te le montrer. Tous ce sont les enfants de Dieu qui sont connectés, ils savent de quoi on parle. Donc, roi, reine, épouse roi, roi, épouse reine. Donc, une reine doit épouser un roi. Oui. Et si le roi cherche les femmes? Si le roi cherche les femmes? Non, ici au début, les rois ne se rendent pas compte qu'ils sont rois. Mais avec le temps, ils se rendent compte qu'ils sont rois. Il dit qu'au début, les rois ne se rendent pas qu'ils sont rois. Et pas de temps à coucher dans les autres. Mais une fois qu'ils se rendent rois, ils se méfient maintenant. Une fois qu'ils se rendent compte, ils se méfient. Parce qu'ils savent que des vies sont exposées. Donc, un roi qui couche en désordre, il expose sa vie. Il expose sa vie puisqu'il a, il a quelque chose. Il a de la bénédiction en lui. Oui, vous cherchez mes bijoux. Hein. Bijoux bénis, uniques sur le marché. Vous n'avez pas trouvé ça quelque part. Tu dis des trucs intéressants sur les rois et les reines. Bonsoir, Denise. Je suis ici avec mon roi. C'est lui qui parle là. Les jaloux vont commencer à rire là-bas. Ouais, les jaloux. Vous n'êtes pas des sceptiques comme nous. Ok, on va commencer. Je vais parler très... Je vais pas faire beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Parce que je reviens de très loin. Flora, tu arrives, hein? Où vous venez? Bonsoir, la reine Falreine, comment tu vas? Beaucoup d'entre vous, vous devez me contacter. Vous me regardez chaque soir. On vous gifle dans le rêve. J'ai au moins deux personnes qui m'ont contacté, deux ou trois. Que je veux te contacter depuis. Mais le diable ne faisait que... Je chasse ce diable-là au nom de Jésus. Amen. Le roi te dit bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur ou madame. Et reine Esther, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Ma sœur Foyo, tu entends ton invitation. Hein? Arrêtez de donner les excuses. En fait, c'est un peu comme si tu connais qu'il y a un esprit qui te dérange. Tu le laisses te déranger. Un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Farine, voilà, je t'ai parlé dans tes rêves il y a deux jours. Je t'ai dit quoi? Tantôt, il y a des gens qui me disaient qu'ils sont venus, ils m'ont vu Jésus, il est sauvé en volant. Bonsoir, Claire Cho. On est en train de parler de votre destinée. Vous comprenez même? Il y a des gens qui ne veulent pas que vous progressiez. Vous êtes en bain, c'est tout. À part le fait que tu es en bain, ton téléphone sonne, on voit 44, 39, 41. Il n'y a rien d'autre. On dit bonsoir au couple royal. Mon roi est là-bas. Il est là-bas. Et aussi ma reine là-bas. Vous avez les oncles maléfiques qui vous connaissent depuis que vous êtes petit là. Ils savent où ils vous ont mis. Tu vois le genre que tu ne partais jamais en vacances chez lui là. Quand tu pensais à lui, ton corps fait toujours un genre, ça fuit.
les indices qui ne trompent pas depuis. Même vos cousines, vous avez les cousines, les cousins là qui ne vous aiment pas. Il y a des esprits dans vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos oncles. Les esprits qui sont là depuis 500 ans là. Ça les influence, ils peuvent te faire des trucs contre vous. Tu rêves chaque fois, tu es attaché. Tu es dans une prison. Tu veux voir sur le roi. Concentre-toi sur ta vie. Voyez-moi l'autre alors. Feuille, depuis 5 jours, je demande le smoothie, tu ne m'as pas donné. Bonsoir, monsieur Changa, le roi Changa. Monsieur Marie Founé. Vous avez déjà fait les examens, vous avez composé 7 fois, vous avez échoué. Un gars vient, vous drague pas. Vous vous fiancez, après vous séparez. Vous avez déjà fait 6 fausses couches. Les enfants sont tous morts. 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 Un illettré spirituel, c'est quelqu'un qui n'est pas... Sa vie est en train de tomber devant lui. Il est tout là, il dit que non, un jour... Le Seigneur fera. Un jour par la grâce de Dieu. 5 hommes en un an. Tu as 5 propositions de mariage. Après, ils disparaissent. Ils désistent tous. Ils viennent toquer à la porte. Après, la porte fuit. Frère de Dieu, je vais te bloquer. Moi, une blague par vous. Et puis, je vais te commenter un dip, il ne parle pas. Simplicité, Georges. Il y a l'onction de la beauté sur moi. Mon onction, c'est d'embellir les gens. Embellir et rendre riche. Les deux là. Quand tu commences avec moi, je t'ai l'air n'importe comment. Tu vas devenir beau. Degré de force. Non, tu ne dis quoi. Tu vas devenir beau. Si tu es un gars alors, hein. Si tu es un Joe, laisse. Il faut seulement que tu arrêtes bien ton truc là. C'est que tu vas faire l'amour que chaque soir, même 3 fois chaque soir. Avec 3 filles différentes. Tu vois, quand il fait les consultations, toi tu fais les rendez-vous de trucs là. Bonsoir Thérèse Mengue, bonsoir Isabelle. Marie-Claire, bonsoir. Un illettré spirituel, c'est quelqu'un qui ne voit pas les signes. Asia Feuillot, le jour où tu vas venir ici à Douala me voir, tu vas m'apporter 5 bouteilles de smoothie. Tout concours, toute chose au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Denise le Pacifique, il va te bloquer. Vous utilisez la Bible pour faire que les gens dorment. Pendant que les démons sont en train de gâter leur vie. Le Seigneur fera, ma chérie. Le Seigneur va allumer une bougie à l'église. Tu allumes la bougie. Oui, j'ai allumé une bougie à l'église. Oui. Le démon, elle est rire. Il fait mon sticker. J'ai un sticker qui fait comme ça. Hey! Le démon, elle a été rire. Il rit, je lui dis ça. Charlotte, bonsoir, merci. Ne blaguez pas avec les démons. Il y a même les membres de votre famille que vous savez que l'autre, c'est là. Ça, c'est un Decepticon. Quand il t'appelle, tu es là. Ah, oui, alors, t'entends. Oui, t'entends. Tu parles quoi avec lui? Il a pris 3 de tes habits et va te donner chez ses marabouts avec. On a fait les choses sur toi. Les gens, vous achetez vous acceptez les bijoux de n'importe qui. Oh, mon bébé m'a donné le collier que tu portes. Denis, même si tu es partenaire, si tu es partenaire et le jour que tu parles, ce qui ne m'arrange pas, il te bloque. Il te prévient d'abord. Tu comprends, non? Les Decepticons se masquent souvent en partenaire. Une femme m'appelle l'autre jour, elle me dit you know, I'm on your side, you know.
Je suis de ton côté, tu sais. Mais tu ne penses pas que tu ne devrais pas. Non, ne parle plus des ancêtres, ne parle plus de ça. Quand elle parlait, elle était comme ça au téléphone. Quelque chose. Après, comme Dieu fait ces choses, j'étais dans un bus. Les gens commençaient à s'engueuler dans le bus. Jusqu'à ce qu'on ne s'entendait plus. J'étais sur l'autoroute. La communication s'est arrêtée tout seul. Je suis de ton côté, hein. J'apprécie ce que tu fais. C'est ce que moi-même je veux faire. Je veux. Elle n'est pas en train de faire. Elle veut. Mais elle vient me dire comment il veut faire. Bonsoir, Eureka. Eureka, même toi, tu vas te bloquer un jour. Parce que tu ressembles à une déceptique. Tu n'y connais pas, demande à Martial Feuillot, il va te dire. Martial Feuillot, explique-lui. Tous les anciens abonnés de ma page là, et vous chassez. Si tu es abonné à ma page depuis 2 ans, je pars. Vous dormez. Tu connais ce qui va te sauver. Tu ne peux pas faire. Tu ne payes pas ta dîme. Non, je prie. Je fais le je vous salue Marie 10 fois. Pourquoi le démon a peur de ça? Non, je suis allée me confesser chez le pasteur, chez l'abbé. Ils sont assis sur votre vie, ils rient. Réveillez-vous. Si vous ne m'écoutez pas, je vais juste parler dans vos rêves. Réveillez-vous. Tu es là depuis 15 ans en Europe, ta vie n'a pas avancé. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Vous voulez les dire des clashs, vous voulez comme les scènes comme ça, vous voyez. Je viens de décolleter, vous voyez. Il n'y a pas ça ici. Vous allez vous réveiller. Analysez votre vie. 10 ans, je tourne en rond. Non, tu sais, ici pour avoir les papiers, il te faut avoir fait 18 ans. Ouais, quitter avec ça. Posez-vous les questions. Quelque chose dans ma vie ne tourne pas rond. Something is not wrong somewhere, is not right somewhere. C'est comme ça que ton éveil commence. Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi. Bonsoir, Flo Flo. Il y en a parmi vous, vous êtes dans des toiles d'araignée entachées, attachées comme ça là. Tu ne peux même pas bouger le pied. Tu es là, ta vie va ralentir. Tu prends 5 ans pour accomplir quelque chose que les gens font en 2 mois. Tu as un peu d'argent au salaire, un problème dans la famille. Un peu d'argent, un problème dans la famille. Un peu d'argent, un problème dans la famille. On a percé tes poches, on vide ton argent tout le temps. Tout le temps, tu ne peux pas faire un projet. Posez-vous les questions. Martial Feuillot, comme toi tu n'es pas Decepticon là, je te nomme alors détecteur de Decepticon. Ouais. Corinne Pédaz, il faut combattre, mais il faut avoir les bonnes armes. Il y en a parmi vous, vous combattez depuis 15 ans, rien n'a avancé. C'est que. Restez souvent comme ça, vous vous posez la question. Je prie, je jeûne. Depuis 10 ans. Rien. Je suis dans la même maison. Je n'ai pas acheté de nouveau meuble dans ma vie depuis là. Donc rien n'est entré dans ta maison de nouveau depuis 10 ans. Je vous donne les signes. Hein? Je vous donne les signes. Ah, tu sais, moi j'économise beaucoup. Moi je fais faire un projet. Vous baptisez même là, c'est même le démon qui vous fait baptiser.
Ah ben ouais, non mais tu sais, dans ma vie, je ne veux pas faire comme ça. Ça va me prendre 3 ans pour faire ça. Posez-vous les questions. Je parle en rien. Hein. Bonsoir Tabac. Berthe, bonsoir. Quand vous vous posez les bonnes questions, votre esprit va commencer à chercher. Certains parmi vous êtes tombés sur mes vidéos quand vous étiez en train de jeûner. Ouais, j'ai décidé de faire 7 jours de jeûne. Deuxième jour, tu tombes sur ma vidéo. Et quand tu tombes quelque chose, quand il te parle quelque chose en toi, dis que tu es dans la prison là, loin, t'es enfermé, loin, 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 là-bas, là, loin, 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 là-bas, là où c'est noir. Tu sais que c'est que ma voix, ça te vient de loin. Tu sais que le moment de sortir de cette prison est arrivé. Je dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici. Vous devez avoir le feu sur vous. Quand il parle du feu sur le Jacques, tu dis que on lance le jeûne, tu fais le jeûne. Il y en a, on a un groupe de WhatsApp pour le jeûne, non? J'ai obligé à tout le monde. Tout le monde doit faire l'offrande du jeûne. Tu ne fais pas, tu t'enlèves même. Même si c'est 500 francs. Une fille m'a transféré 500 francs un jour. Il dit oui, envoie. Ça va te sortir de ton trou. Inch'Allah. Vous êtes assis chaque jour dans les églises. Chaque jour assis. On fait la collecte, on vous aide. On fait la collecte, on vous aide. Yeah. Depuis 10 ans. Et tu vois, tu as une sensation dans toi là, tu es mal à l'aise. Quand tu penses à acheter la voiture, tu fais hi. Tu penses à acheter le terrain, tu dis yeah. Je n'ai même pas vu 500 000 en une fois dans ma main depuis 10 ans. Je ne fais même pas acheter le terrain. Vous êtes plein là-bas dehors. Vous êtes en train de voir les hommes mariés en train de sortir avec eux. Ils prennent vos chances. Bébé, je vais t'épouser en l'an 2026. Il t'a rencontré en 2017. Il a sa femme à la maison. Réveillez-vous. Voici les signes. On dit souvent que waouh, mamie, tu es tellement jolie. Tu es tellement jolie. Waouh. Tu mérites un homme qui va vraiment t'aimer. Hein? Ça fait à 4 hommes qui sont venus pour te dire, ils sont partis. 4. Il te quitte comme ça là. Il est parti. Je vous montre les signes. Ma couronne, ça coûte 10 000 francs. Oui. Envoie l'argent, j'ai fait commande pour vous. Vous aimez trop mes choses. Je vais mettre mon numéro. La consultation est payante. Lily, tu es un agent de lumière. Tu sais ça. Liliane. Tu es un agent de lumière. Bientôt, ça va commencer à devenir très sérieux. Dieu m'a appelé à réveiller les choisis pour qu'ils rentrent dans leurs fonctions. Imaginez un pays où il n'y a pas les militaires, où il n'y a pas les policiers. Les gens seront donnés pour faire ce qu'ils veulent. Quand tu, moi, ma maison est derrière le commissariat. C'est rare d'entendre qu'on a cambriolé quelqu'un ici. Parce que le bandit lui-même va savoir que... aïe, aïe, aïe. C'est quand même ici derrière, non? Quand même, je ne peux pas quand même venir ici m'amuser. Les choisis doivent se réveiller. Équiper d'autres choisis. Il y en a parmi vous avez le don de vision. Restauration. Il y en a parmi vous, vous pouvez délivrer. Il y en a parmi vous, vous pouvez seulement venir. Donc vous lavez le visage de la personne, il brille. Farine, tu as trop de poison de nuit. On a déposé trop de choses dans ton ventre. Ça doit sortir. C'est pour ça que quand tu commences le jeûne, tu commences à avoir l'ulcère, les ceci, les cela, ça te décourage. Françoise Magnier, quand elle te voit là, tu pleures derrière l'agence. C'est pour ça que tu demandes le coût de la consultation. Si tu demandes le coût de la consultation, c'est que tu ne peux pas faire le travail qu'il faut. Pour vous travailler, pour vous délivrer, ça demande le travail. Vous-même d'abord, vous allez marcher pour chercher vos choses. Vous allez marcher pour chercher vos choses. On va te dire que va chercher la paupière de l'oiseau. Tu vas pas te chercher. Va chercher la paupière du corbeau. Tu vas pas te chercher ça.
Si tu n'as pas le désir. Maître Nassiro, c'est comment on va faire ton direct, non? Ah ah. C'est le travail. Pas non. Vous dormez tous les jours. Ne cherchez pas vos dons. Et analysez d'abord votre vie. Vous voyez si vous êtes bloqué ou pas. Analysez d'abord votre vie. Tu commences quelque chose, tu ne finis pas. Tu commences l'école, tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Tu ouvres le business ici. Demain, tu fais ça. Demain, tu fais ça. Tu n'es jamais stable quelque part. Vous voilà. Fais le bonjour. Et ça te. Donc, c'est ici là que ça te dérange. Quand tu, tu penses à ton futur comme ça, tu es comme le bébé. Tu vas y sticker comme ça, un bébé comme ça sur le truc. Un bébé de 3 mois. Sans qu'il a les soucis. Tant que tu n'es pas fatigué de ta situation ne peut pas changer. Tu n'es pas fatigué que les hommes viennent dans ta vie, ils te couchent avec toi, ils partent. Ils couchent avec toi, ils couchent avec toi, ils partent. Tu ne vas pas trouver ta délivrance. Tu as 45 ans. Tu es la maîtresse d'un homme marié. Tu as 3 enfants, le 3 pères différents à la maison. Vous avez les vies. Tu es là comme ça, là, les 5 derniers gars qui sont venus. Ils ont pris. Pris ton étoile, parti avec. Les 3 qui sont venus. Prends ton argent même. Vous savez quand les gars, les dieux n'ont pas le feu, n'ont pas froid, non. Tu as ton petit 15 000 euros que tu as gardé comme ça là. Qui ramasse tous ses pas avec. Que bebe, il dit bebe. Que le bebe. Il te donne que quoi dans la nuit. Oh, oh. Le genre que tu n'as pas encore vu à 45 ans. Ou je n'ai pas encore vu le genre là où je ne connais pas. Dès qu'il donne comme ça, ça tape derrière ta tête, comme ça, là, tu te lèves le matin, tu vises ton compte, tu lui donnes. Après, il te dit que non, on va faire notre vie ensemble. Non, on va. Ça te rythme. L'argent que tu allais payer l'école des enfants demain avec. Tes enfants ont 10 ans, tu vas encore économiser ça quand? Tu n'oses même pas dire à quelqu'un que là, je suis là, j'ai vendu tout. Vous devez voir vos propres indices. Donc, les gens me disent que wow, je veux dire que non, je t'apprends à faire ton diagnostic propre. Tu restes, tu vois ta vie comme ça. Quand tu me contactes, toi-même, tu dis que ma reine, j'ai fait mon diagnostic. Bon. 1, 2, 3, 4. Il y a ça, ça, ça. Donc, tu fais ton propre diagnostic de ta propre vie. Tu dis que voilà, j'ai 3 démons ici-là qui me dérangent. Un ici, un là-bas, un mari de nuit, un ceci. Oui. Parce que quand on va finir avec toi, tu vas aussi aller délivrer d'autres personnes. Souvent, tu restes comme ça, là, tu es un jeune homme talentueux, beau. Tu vois les Yoros là, les Yoros, quoi là. Tu es beau, mais tu es pauvre. Tu n'as pas l'argent. Hey, pour foirer jusqu'à. Jusqu'à le feu sort. Jeune, beau, talentueux, intelligent. Éric, tu as 25 ans, on t'envoie, on te paye toujours tout jusqu'aujourd'hui. Faites votre analyse. Quand vous allez m'écrire, vous allez dire que ma reine, j'ai fait mon diagnostic. Voilà comment ma vie est, voilà le tel problème que j'ai. Vous-même, vous allez me dire. Ouvrez vos yeux. En bateau, on dit chou nomou. Chou nomou. Tant que tu n'es pas fatigué d'une situation de ta vie, tant que tu n'es pas voilà un démon qui fait que telle chose se passe dans ma vie, tu as fait même 7 avortements. 7 avortements. Dès que tu tombes enceinte, le gars te donne une excuse, il part. Dépression, tu tournes, après tu peux enlever l'enfant. Tu peux enlever l'enfant. 1, 2, 3, 4, 5.
caches. Farène, aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience. Sinon, vous allez tout me regarder de façon casuelle, genre, oh, le show télévisé a commencé. Je ne fais pas les tours de France 2 ou TV 5 TF1 que vous regardez, vous riez là. Je vous parle de votre vie. Je vous parle de votre vie. Donc, quand tu viens d'éteindre la télé là, c'est ta vie. On parle de ta vie. Le film, ta vie. Bonsoir Evarista. Vous devez avoir la larme dans votre cœur. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Tu vas acheter l'iPhone 12, non? Tout à part qui t'intéresse, c'est la chaussure. Je veux la chaussure, je veux ceci. Tu sais que quelque chose dans toi ne va pas bien. Tu prends un téléphone avec trois yeux là, trois caméras. Oui, c'est ça que tu veux. Tu viens, tu me regardes. Oh, le show télévisé. Oh, oh, qu'est-ce qu'elle a porté aujourd'hui? Oh, elle a mis une couronne. Oh, c'est beau. Tu dois avoir une rage. Si même que tu te dis, peu importe la prison dans laquelle je suis, je dois secouer la cage là jusqu'à il me dise que, oh, pardon, pardon. Ok, on l'amène à telle personne. Pardon, enlève, sors là de la cage là. Beaucoup d'entre vous, c'est quand vous étiez en jeûne ou quand vous avez décidé que ma vie doit changer, que vous êtes tombé sur moi. Vous tuez raison à tous tes quatre enfants. Personne n'a fait quelque chose. Têtu comme tout. À l'école, zéro. Te parle n'importe comment. L'enfant ne peut pas prendre l'eau comme s'il vient te donner. Tu peux rentrer à la maison, l'enfant vient, il enlève tes chaussures. Têtu comme tout, il s'en fout de toi. Quatre enfants. Ça ne te dit rien. Nana Mensi. Oui, ici ce sont les choisis. Merci Liliane Tchana. Merci à ceux qui partagent. Pendant que vous appuyez pour partager, que les gens appuient pour vous transférer votre argent ce soir. Que vos comptes bancaires se remplissent. Quand vous appuyez pour partager, là, les gens vont, ils vont avoir le feu sur eux pour transférer votre argent. Votre Orange Money, vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir vos Orange Money, vos comptes bancaires remplis. Oui. On peut avoir 100 choisis ici, oui. Le truc que le diable a mis dans votre tête, c'est que... Bon, moi, je suis qui? Je suis l'enfant de maman Jeanne, non? Ah, comment il peut être choisi? Tu te sabotes toi-même. Il dit, non, je ne peux pas être choisi. Si vous connaissiez vos dons, beaucoup d'entre vous avez le don de vision, don de délivrance, les rêves de les rêves. Ma peur vous dit, ah, je vois souvent que les gens vont mourir après ils meurent. Tu as les dons dans toi. Mais tu es pauvre comme la souris d'église. Même pour mettre 1000 francs pour regarder mon direct comme ça, c'est chaud. Votre prière ce soir, Seigneur, je ne peux pas être doué comme je suis là. Je ne peux pas avoir les dons comme ça et souffre. Je ne peux pas avoir les dons comme ça et je souffre. Change mon étoile, Seigneur. Là où on a pris, on a déposé là. Rembourse-moi mon étoile. Roselle Imga, j'ai envie de t'enlever sur ma page. Tu es choisi, mais tu fais semblant. Tu veux faire Decepticon. Bye bye. Et c'est que vous là souvent venez sur ma page me tester. Je suis pas là avec vous. Il y a une qui m'appelle une fois et me dit, je fais ce que tu fais. Elle m'appelle d'abord et me dit, ouais, j'ai besoin que tu voyes. Il y a quoi qui me bloque? Je ne sens pas le go ahead.
Je n'entre pas. Je n'entre pas. Je lui dis que ma soeur, comme tu vois là, je ne sais pas. Peu importe où tu es suivi là, repars là-bas. Non, 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 non. Il refuse, je refuse. FNB refuse. Après, il me dit, moi-même, je fais ce que tu fais. Moi-même, je vois. Hein. Ce que j'ai à mes réponses, je voulais seulement que tu confirmes. Et tu veux me tester. Hein. Decepticon. Decepticon. Beaucoup parmi vous, on a pris vos étoiles. Certains, vous avez 12 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles, 15. On a fermé. Tu restes en te vendant que ma chérie, tu devais être très loin. Mais vous savez quand la mère disait que le prophète avait à prophétiser. Mais le diable ne fait que... On rit beaucoup, hein, c'est devenu la chanson. Il y a les diables sur votre vie qui ne font que... Quand vous demandez que le Seigneur restaure vos étoiles, je déclare ce soir que vos étoiles sont restaurées. Je commande à la reine des étoiles de vous lancer vos étoiles, toutes les étoiles qui étaient volées là. C'est notre Père qui a créé les étoiles. Il a parlé, les étoiles ont été fermées. Formées. Et il nous a donné autorité dans le ciel, sur la terre. Peu importe là où ils ont formé vos étoiles, je vous les restaure. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont le don de la vision, mettez la main sur les yeux là. Je restaure votre vision au nom puissant de Jésus. Et de cas, cette nuit, le Seigneur va vous donner le signe que vous avez demandé. Il va vous montrer vos persécuteurs. Vous hésitez un peu. Vous voyez les oncles que vous n'aimez pas trop là, non? On les dévoile. Ils ne vont plus utiliser le visage de quelqu'un pour vous attaquer la nuit. Ils seront démasqués cette nuit au nom puissant de Jésus. Steph Abuleux, révèle-toi. Si tu es venu faire quelque chose, t'enlève directement. Directement. Ne blague pas. Je ne suis pas venu blaguer avec vous ici là. Il est 22h moins 10. Je suis ici là depuis 7h20. On parle de la vie des gens ici. On les dévoile. Ils ne portent plus de masque spirituel. Ils ne vous voilent plus les yeux. Ils ne vous étourdissent plus. Ceux qui viennent avec l'alcool, là, ils vous l'embrouillent, ils vous embrouillent. Ils vous étourdissent. Quand ils parlent comme ça, vous écoutez après, pouf. Tu te lèves dans le sommeil, Dieu te dit que va faire ça, ça, ça. Tu oublies, tu ne notes pas, tu oublies. Dans la journée, tu oublies. 6 mois plus tard, vos idées sont en train de revenir. Et c'était dans ça que tu devais prospérer. Si tu commençais, ça allait donner. Je restaure votre vision. Je restaure votre vision. Je restaure votre vision au nom puissant de Jésus-Christ. Parfois tu te réveilles, tu cherches le téléphone pour noter, tu cherches, le téléphone sonne, c'est quelqu'un. Tu parles avec la personne 2 minutes, tu oublies tout ce que tu avais vu dans le rêve, tu oublies. C'est encore 4 mois, 5 mois plus tard que le rêve là revient encore. Je restaure votre vision ce soir. Je vous décore, je vois le Seigneur te mettre les diamants sur vos habits, il met les diamants. Il met les diamants sur vous. Il met les épaulettes sur beaucoup d'entre vous. Vous êtes en train de prendre des grades. Vous prenez des grades ce soir. Vous prenez des grades ce soir. Oh, Rabakashika, Rabakasande, Yakoska. Vos ailes sont en train de pousser. Vos ailes sont en train de pousser. Vous vous élevez dans les airs. Au nom puissant de Jésus. Les Kroskari Abasanka. Votre famille qui était limitée en bas. Vous vous élevez maintenant. Vous vous élevez au nom puissant de Jésus. Il y en a parmi vous, vous avez le don du feu. Le feu là, dans vos yeux. Le feu. Il y en a même dans la bouche. Ou le dragon, le dragon. Quand il ouvre la bouche, il brûle seulement tout.
tout ce qu'on a planté dans vos corps la nuit là, les petits petits asticots qu'on a mis, les serpents là, je détruis maintenant avec le feu du Saint-Esprit, je détruis vos articulations, je restaure les cancers du sein là, les femmes là, touchez vos deux seins, toute tumeur maligne qui était en vous là, je détruis ça au nom puissant de Jésus. Je détruis le nom puissant de Jésus. Je parle à votre moelle osseuse. Je parle à vos articulations. Toutes les araignées qu'on a mis dans vos articulations, là, je leur commande de sortir. Déposez votre pouce, votre index comme ça, sur les deux côtés au bord, sur vos genoux, sur les bords. Donc tes pieds sont comme ça, tu mets ici au bord, sur les deux côtés. J'utilise vos doigts comme point de contact. J'enlève toutes les araignées qu'on a mis qui vous bloquent souvent. Les araignées qui sucent vos dents la nuit. Je libère. Je libère. Je leur commande de sortir. Je leur commande de sortir au nom puissant de Jésus. Il y en a, vous aurez envie de tousser. Ça va sortir par votre bouche. Ouvrez la bouche, ça sort. Ça sort de votre gorge. Je vous libère. Je restaure vos yeux. Je restaure vos yeux. Vous voyez là où votre argent se trouve. Vous voyez comment vous devez faire avec le business. Vous voyez 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'argent entre dans votre main. Les gens qui sont venus voler votre étoile la nuit là. On vole. Vous avez l'idée, ça part. Tu te réveilles, tu oublies. Tu te vois en train de vendre les choses, tu vends l'argent entre, tu vends l'argent entre, tu te réveilles, tu oublies. Je restaure. Vous allez partir dans les endroits, vous allez commencer à voyager. Vous allez partir dans les endroits, la Turquie, Dubaï, tu as acheté les choses, tu allez rentrer vendre. Tu achètes pour 1 million, tu vends, ça te donne 20 millions. L'onction de multiplication, je dépose ça sur vous ce soir. Vous allez travailler 2 jours la semaine. 2 jours la semaine. 2 jours. Pour vous, 2 jours la semaine, ça veut dire que par mois, vous allez travailler seulement 8 jours. Ça va faire 30 jours de travail. Et vous allez multiplier. Je mets l'onction de multiplication sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous active. Ceux qui dormaient. Je déclare que dans votre rêve, ce soir, on va vous dire vos dons. On va vous dire, vous allez vous voir en train de faire. Quelqu'un m'a venu vous dire que tu sais faire ça. Tu sais faire ça. Que tu connais guérir. Que voilà là où tu peux accueillir les feuilles. Voilà ce que tu utilises. On va vous dire ce soir dans vos rêves, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui hébergez, vous hébergez vos oncles que la nuit vous attaque là. Toute personne qui vit chez vous qui vous attaque la nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie l'ange Michael. Je protège votre chambre. Votre lit. Je déclare que quand ils entrent ce soir, ils calent. Je déclare l'immobilisation sur leurs pieds. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont le don de la parole, les orateurs, il y a beaucoup d'orateurs et oratrices ici. Ce sont vos paroles qui vont libérer les gens. Mais vous avez honte, vous avez peur. Vous n'osez pas vous mettre devant une caméra pour parler. Je libère votre image. J'enlève le masque spirituel qu'on a mis sur votre visage. J'enlève le masque spirituel qu'on a mis sur votre visage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève le masque spirituel. Je déclare que votre front brille. Je déclare que votre front brille. Quand vous parlez, les gens vous écoutent. Vous commandez au nom puissant, vous commandez dans le monde spirituel, au nom de Jésus. Tout ce qui avait caché vos pages, caché vos publications, qui font que les gens n'aient pas envie de voir ce que vous publiez, je retire ça sur vous ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ.
Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a donné pour instruction de commencer une page YouTube depuis. Lance ta page YouTube, vous tournez comme ça là, vous faites comme ça là. Je mets l'accélération en vous. Je mets l'accélération en vous. Vous commencez ça dans les jours, dans les 7 jours qui viennent, vous commencez au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous allez vivre de vos dons. On vient de tous les côtés. On vient avec de l'or, on vous donne. Tu vois le genre que tu n'as pas besoin de courir derrière quelqu'un et il paye cash. Hein? Pas le genre qu'on dit qu'on va te payer en 10 fois là. On te paye cash. Prenez la main droite, vous déposez au milieu de votre main gauche comme ça. Déposez. Tout trou qu'on a mis sur votre paume de main, qui fait que quand vous recevez l'argent, c'est là qu'il y a un problème qui apparaît dans votre vie ou dans votre famille. Je viens fermer maintenant. Je ferme et je restaure toute brèche qui a été causée par les péchés de votre famille, de vos aïeux. Quand vous recevez l'argent, ça reste dans votre main. Au contraire, c'est vous qui décidez pour aller aider d'autres personnes. De votre plein gré, on ne vous force pas. De votre bon cœur, vous partez donner. Et dès que ça sort, dès à l'instant, quand vous virez sa part, l'autre entre pour remplacer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'il n'y a plus de sécheresse financière dans votre vie. Vous n'avez plus cherché l'argent, vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez plus resté comme ça, checker le compte bancaire 6 fois. Tu te réveilles avant 6 heures, tu as checké ton compte 6 fois pour voir si on a viré l'argent. Et il n'y a pas l'argent. Je dépose en vous l'onction de persévérance. La persistance. La persistance. Si vous avez abandonné un projet que Dieu vous a confié, vous reprenez ce projet ce soir. Les anges vous assistent. J'appelle les aides de destinée dont vous avez besoin. Des 4 coins de la terre. J'envoie l'ange Michael et l'ange Gabriel, le messager. Il leur parle et il vous trouve. Il se rappelle de vous. Si votre numéro était perdu dans leur téléphone, ils retrouvent le téléphone là. Si le téléphone était gâté, ils arrangent le téléphone là aujourd'hui. Si vous avez oublié votre nom sur Facebook, ils se rappellent de vous. Au nom de Jésus, je vous reconnecte les connexions divines. Connexions divines. Je vous reconnecte à vos maris. Ils avaient oublié votre nom. Ils vous avaient oublié. Je les dépouille. Vous atterrissez dans leur rêve cette nuit. Ils se rappellent de vous au nom de Jésus. Je viens sceller maintenant cette prière. Tout ce que vous avez reçu ce soir, je déclare que rien ne sera perdu. Aucune parole que j'ai prononcée sur vous. Selon Isaïe 55, versets 8, 9, 10 et 11. Il dit, sa parole sort de sa bouche et ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Je déclare que c'est votre parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Flora. Amen. Je viens mettre la confiance en vous. Vous ne courez plus derrière vos clients. Je mets l'esprit d'excellence. Vous leur apportez un bon service. Je déclare que vos clients font votre publicité. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève le couvercle sur lequel on vous avait mis. Tout couvercle spirituel qu'on avait déposé sur vous, je l'enlève. Vous reprenez l'apprentissage. Ceux qui avaient appris le piano, la chanson, la musique, vous avez appris à dessiner, vous avez laissé tomber. La peinture, vous reprenez ça au nom puissant de Jésus. Vous reprenez au nom puissant de Jésus. Vous faites vos expositions d'ici la fin de l'année. Vous exposez vos tableaux. Vous sortez vos albums. Vous commencez les projets là, vous ne vous fatiguez pas en route. J'appelle les finances dont vous avez besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La paix sur vous. Bonne soirée.